Patrick Salamé est-il le tueur en série de Marseille? Celui qui a fait disparaître 4 femmes sans que jamais on ne puisse retrouver leur corps. Incarcéré au Baumettes, il clame son innocence. Zineb avait dit qu'elle faisait une course à l'extérieur et elle n'est jamais rentrée. Ils ont mis une équipe entière là-dessus parce qu'ils sont persuadés d'avoir affaire à un tueur en série, le premier à Marseille. Soumiel dit « J'ai vu le corps inerte d'une femme immergée dans la baignoire de Salamé ». Lui a toujours dit « Mais non seulement je ne l'ai pas violée, mais je ne l'ai pas frappée ». Et ensuite, elle n'a pas vu de cadavre chez moi parce qu'il n'y en avait pas. Mon frère, je sais que c'est un braqueur, mais ce n'est pas un violeur. Fatima, elle habitait à quelques centaines de mètres de Salamé. Elle a disparu aussi sans laisser de traces en quelques heures. C'est impossible. Faire un tous les soirs à 20h, c'est moi qui devais aller la chercher, la ramener à la maison. C'est impossible. Les policiers sont convaincus de la culpabilité de Salamé. Le problème, c'est la preuve. Que je serai obligé d'acquitter cet homme, alors que je sais pertinemment qu'il a tué au moins 3 fois. Marseille, octobre 2008. En un mois, 3 prostituées disparaissent coup sur coup. Le 5 octobre, Irina, une Ukrainienne de 42 ans, se volatilise dans la soirée. 2 semaines plus tard, c'est Christina, 23 ans et originaire de Roumanie, qui ne donne plus de signe de vie. Toutes ses affaires sont encore dans sa chambre d'hôtel. À Marseille, on s'est aperçu que plusieurs prostituées avaient disparu et curieusement, ça n'a créé aucune effervescence. Ce n'est qu'à compter de la 3e prostituée que la presse va se mobiliser et qu'on va se poser un certain nombre de questions sur les disparitions de ces filles. La 3e, c'est Zineb, une Algérienne de 28 ans. Le 7 novembre, en début de soirée, elle est avec sa mère qui ne sait rien de ses activités de prostitution. Le soir de la disparition, elle attendait, elle avait préparé le repas. Zineb avait dit qu'elle faisait une course à l'extérieur, notamment pour acheter du pain, et elle n'est jamais rentrée. La dernière personne à avoir parlé au téléphone avec Zineb, c'est une de ses amies, Samira. À ce moment, la jeune femme est accompagnée d'un mystérieux client. Elle s'est exprimée avec Samira en langue arabe, pour pas que le client comprenne, en disant, en indiquant que effectivement, elle avait un client qui lui avait réservé la nuit entière, au tarif de 900 euros. Samira a trouvé cet élément déjà très étrange. 900 euros à Marseille, dans ces quartiers-là, c'est énorme. On n'est pas à Monaco, pour parler simplement et vulgairement. Samira a été un petit peu étonnée de cet élément. Et 1h30 après, 2 heures après, a cherché à joindre Zineb pour vérifier que tout allait bien. Et là, le téléphone était coupé. Samira n'a pas souhaité témoigner, par peur de représailles. En un mois, au moins 3 femmes ont disparu du jour au lendemain. Il apparaîtra très vite que ces 3 étrangères ne sont pas retournées dans leur pays. Si les premières disparitions n'ont pas vraiment attiré l'attention, il est désormais clair qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Évidemment, la première piste, c'est effectivement qu'il y a un tueur en série sur Marseille. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de particulièrement structuré et qui a mis en place un véritable dispositif pour enlever des filles et les faire disparaître. Donc il y a une vraie psychose qui va gagner Marseille à ce moment-là. C'est alors qu'une amie des disparus va livrer un nom au policier, Patrick Salamé. C'est une affaire extraordinaire. Ce qui a permis d'ébruiter l'affaire, c'est le témoignage fracassant de Samia, qui est une prostituée marocaine, qui a raconté qui était vraiment Patrick Salamé. Soumia, une autre prostituée, est venue dénoncer celui qui serait le coupable, un certain Patrick Salamé. Elle révèle qu'un mois et demi plus tôt, ce dernier l'a violée et séquestrée pendant 6 heures. Quand on lit les dépositions de la seule victime qui en est réchappée et qui peut témoigner, Soumia, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos ce qu'il lui a fait subir, ce qu'il a fait subir à cette femme, de contraintes sexuelles, d'actes de violence et de torture sexuelle, et également de volonté de contraintes personnelles et morales. Soumia va faire une révélation fracassante aux enquêteurs. Elle a expliqué que c'était en fin de soirée, après 6 heures de sévices sexuels. Donc elle dit, voilà, en partant, j'ai vu dans la baignoire le corps inerte d'une femme, comme s'il s'agissait d'un cadavre de femme, immergé dans la baignoire de Salamé. Et Salamé lui aurait dit « Voilà le sort que je réserve aux femmes qui ne m'obéissent pas ».
Un autre événement conforte les policiers dans la piste Salamé. Le téléphone d'une des disparues continue d'émettre. Les services de police localisent cette puce téléphonique qui va émettre après la disparition de l'une d'entre elles dans un des quartiers de Marseille. Et de par cette géolocalisation, les services de police vont s'approcher du lieu où cette puce émet. Elle est entre les mains d'un gamin. Et ce gamin va indiquer que cette puce téléphonique lui aurait été remise par une personne qui s'appelle Patrick Salamé, ce que lui conteste absolument. Salamé a volé, piqué les téléphones de ses victimes, notamment celui d'Irina, l'Ukrainienne. Il en a pris la puce, bien entendu, pour faire croire que celle-ci est toujours vivante, qu'elle téléphone. Il n'est pas idiot, Salamé. Les policiers sont désormais sur les traces de Patrick Salamé. Le soir du 15 novembre 2008, ils arrêtent leur seul suspect. Ils ont mis une équipe entière là-dessus parce qu'ils sont persuadés d'avoir affaire à un tueur en série, le premier à Marseille. Il a le profil, effectivement, d'un violeur et d'un personnage violent, pervers et donc très inquiétant. Il a pu tuer, oui, tout à fait. Après l'arrestation de Patrick Salamé, plus aucune disparition inquiétante ne sera signalée à Marseille. L'homme de 52 ans, marié et père de deux enfants, nie tout en bloc. Mais son passé ne plaide pas pour lui. Patrick Salamé est un repris de justice. Il sort à peine de prison où il a passé 16 années pour vol avec port d'armes et séquestration accompagnée de torture corporelle. Le juge d'instruction a versé à la procédure le casier judiciaire de M. Salamé qui jette un éclairage effectivement inquiétant et troublant sur sa personnalité. Dans les années 80, avant ses démêlés judiciaires, Patrick Salamé tient un restaurant dans les quartiers chauds de Marseille. Il se marie et a deux enfants. Aujourd'hui, sa femme est toujours à ses côtés, malgré son lourd passé judiciaire. Entre septembre 1988 et février 1989, Patrick Salamé et ses complices de la famille Pietri sévissent dans la région varoise. Ils s'en prennent surtout aux particuliers directement chez eux. On appelait ça les saucissonneurs et ils étaient les pionniers de ces agressions assez désagréables en demeurant chez les particuliers à leur domicile. C'est assez détestable. Une des victimes des malfrats est technicien en maintenance de machines à sous. La Horde Sauvage, c'est le surnom que les journaux vont donner à la bande de Patrick Salamé. Rien ne devait leur résister. Ils passaient à l'acte, c'est vrai, dans des conditions extrêmement virulentes et tout ce qui était, j'allais dire, sur leur chemin était inéluctablement éliminé. Hein. Notamment, ils n'avaient pas hésité à abattre un chien qui aboyait inlassablement. Quelques jours plus tard, les bandits sont arrêtés et incarcérés. Leur décompte a sonné. Dans l'attente de son procès, Patrick Salamé est placé en détention provisoire au Baumettes. Le personnage de Salamé est quelqu'un de très intelligent. Dès que Salamé, témoigneront des gardiens de prison, arrive dans une structure carcérale, il fait tout pour essayer de corrompre des surveillants et pour essayer de s'évader. Et il va y parvenir, enfin presque. Il réussit à corrompre un gardien qui lui fournit une corde, mais l'évasion échoue de peu. Il avait franchi et traversé toute la maison d'arrêt des Baumettes. Et il était arrivé sur la coursive, le dernier mur, où là, il n'avait plus qu'à sauter et puis s'en aller. Et là, il y avait eu un problème avec un gardien qui était sur le mirador. Et donc, ils se battent. Et Patrick Salamé, suite à cette bagarre, tombe, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. À l'atterrissage, le fuyard se casse la jambe. Patrick Salamé ne pourra donc se soustraire ni à la prison, ni à son procès qui s'ouvre le 10 mai 1993 à la cour d'assises de Draguignan. Il comparaît avec trois de ses complices. Salamé était bien évidemment présenté comme celui qui avait accompli les basses besognes. Il était dans le dossier présenté comme celui qui avait commis ces actes de, entre guillemets, de cruauté. Par ailleurs, Patrick Salamé fait l'objet d'une accusation qui détonne. Il est le seul braqueur à être poursuivi pour attentat à la pudeur.
C'était étonnant, c'était insolite, hein. C'était une tâche là, dans ce cursus de débraqueur, de voir un débraqueur se voir opposer ou imputer une affaire à connotation sexuelle. Enfin, personnellement, je ne l'avais jamais vu en 30 ans de carrière. Comme d'autres de ses co-accusés, Patrick Salamé écope de la peine maximum pour vol à main armée, séquestration, torture et attentat à la pudeur. Là, il y avait quand même une circonstance aggravante assez exceptionnelle, c'était celle du recours à la torture. Direction la prison, où Patrick Salamé va passer 16 années au total, ne bénéficiant que du minimum de remise de peine. Car en détention, il va encore aggraver son cas. En 1995, alors qu'il est enfermé à Clairvaux, il est à nouveau condamné pour tentative d'évasion. Derrière les barreaux, le criminel va aussi révéler un tout autre visage. Il s'instruit, il lit, il écrit et surtout il peint. Il va représenter la prison, mais il y a également des chats avec des têtes coupées. Quoi. Il y a un vrai mystère. On sent le personnage torturé. En prison, il peint des toiles, dont plusieurs seront exposées dans diverses galeries. Patrick Salamé sort de prison en 2005. Il se réintègre facilement, retrouve sa femme et ses enfants, expose ses œuvres et travaille comme chef de chantier. Mais il retourne derrière les barreaux en 2008, lorsque la police l'identifie comme le possible tueur en série de Marseille. Les enquêteurs s'intéressent à la garçonnière du suspect, au fin fond du 13e arrondissement de Marseille. Aucun corps ne va être retrouvé ici, pas de corps, mais des indices. Les experts scientifiques passent au peigne fin la garçonnière du suspect. Leurs découvertes vont être édifiantes. Souvenez-vous, c'est le témoignage de Soumia qui aiguille les policiers sur la personne de Patrick Salamé. Elle révèle les horreurs qu'elle a subies un mois et demi plus tôt et dont elle, contrairement à trois autres femmes, a pu réchapper. C'est une fille qui est une prostituée qui sait ce que Salamé peut faire à une femme en matière de vexation, d'humiliation, de viol. Elle le sait puisqu'elle l'a subi. Elle a décidé de déposer une plainte auprès des services de police quand elle a compris qu'elle avait affaire à un serial killer, à un malade, un obsédé sexuel, qui était capable de tuer chaque soir une femme différente. C'est elle qui va indiquer aux enquêteurs le lieu où Patrick Salamé emmenait les prostituées avec qui il passait la nuit. Et c'est surtout le lieu où elle aurait aperçu un cadavre de femme. C'est elle qui les guide déjà sur Salamé, puis c'est elle qui leur donne des éléments. Tous les éléments dont elle parle au moment de sa séquestration dans la garçonnière se vérifient au moment où les perquisitions ont lieu et elle raconte précisément ce qu'il y a dans la garçonnière. Nous sommes à Saint-Mitre, dans le 13e arrondissement. Cet immeuble appartient à la famille Salamé et un de ses appartements est désigné par Soumia comme la garçonnière de son bourreau. Lorsqu'on l'a raccompagnée avec la police sur les lieux du forfait, elle s'est évanouie. C'est vous dire si cette femme avait été touchée et violentée. La garçonnière de Patrick Salamé, située à une centaine de mètres de son domicile familial, va être passée au peigne fin. Et les résultats sont accablants. Les experts scientifiques retrouvent l'ADN des trois femmes disparues, Zineb, Christina et Irina. Mais pour la défense de Patrick Salamé, ces éléments ne sont pas déterminants. Il y a des traces des ADN retrouvées donc de ces personnes qui démontrent qu'elles sont bienvenues dans cette maison, ça, il n'y a pas de problème. Quoi. Il reconnaît les avoir amenées chez lui où il a eu ses relations tarifées et avoir accompagné ces jeunes filles. Donc il n'a jamais contesté avoir été en contact avec ces personnes. La question c'est, était-ce le dernier moment pour elle? Car s'il est prouvé que les disparus sont bien passés par la garçonnière de Patrick Salamé, il n'y a cependant aucune trace de crime. Pas de cadavre, mais surtout aucune trace de sang, ni dans l'appartement, ni dans la voiture du suspect. Il n'y avait pas de trace de sang dans la Clio de Salamé, il n'y avait pas de trace de sang non plus dans l'appartement. Alors même que Soumia avait dit aux policiers qu'elle avait remarqué dans la baignoire de Salamé une femme inerte allongée dans la baignoire. Les enquêteurs n'ont donc aucun élément qui prouve que les trois femmes disparues ont été assassinées. D'autant que leur corps n'est toujours pas retrouvé. Que s'est-il alors vraiment passé dans cette mystérieuse garçonnière? L'enquête de voisinage ne fournit pas non plus de réponse univoque, mais tout juste des indices.
un seul des locataires de 2008 vit encore sur place, dans l'appartement mitoyen de celui de Patrick Salamé. Déclaration d'un voisin anonyme, Monsieur Salamé n'a jamais habité dans cette résidence. Jamais. J'habite depuis 2007. J'ai vu une fois Monsieur Patrick Salamé en train de faire des travaux dans l'un des appartements, ce qui me paraissait logique vu que c'est la famille. Le voisin de palier n'a jamais rien vu, ni entendu de suspect. Il me dit, ouais, mais monsieur, vous habitez à côté, vous avez entendu, je n'ai rien entendu. Ils n'ont pas gueulé sur les toits, qu'ils vont violer une femme, ou vont la tuer, ou vont l'assassiner, ou vont faire ce qu'ils veulent, ils ne vont pas le crier sur les toits. Par contre, il y a d'autres voisins qui ont entendu des trucs suspects et qui ne l'ont jamais déclaré. Mais ils sont partis, ces voisins. Alors, ils ont vu des gens transporter des matelas. Moi, je ne peux pas, moi, d'ici là, je ne vois rien, moi, ce qui se passe. Vous voyez quelque chose quand vous êtes, vous ne voyez pas. Eux, ils ont une vue, vous voyez des gens transporter des matelas à 2h, à 1h du matin, ça leur paraissait normal que des gens déménagent des matelas à 1h du matin. Ça prêtait pas suspicion, non, pour eux, c'était normal. Les policiers se concentrent sur les corps. Il faut retrouver les cadavres de Zineb, Christina et Irina, car eux seuls pourraient parler. Le procureur d'Alest a tout fait. Il a déplacé des gendarmes, des policiers, en grand nombre, sur un terrain de Salamé à Saint-Julien-le-Montagné, dans le Var. Ils ont retourné le terrain avec des radars géodésiques pour essayer d'examiner s'il n'y avait pas de cadavres. Des chiens renifleurs de cadavres, vous imaginez. Ils sont retournés chez lui, ils ont tout retourné. Pas de cadavres, pas de traces. Des plongeurs ont même sondé le canal de Provence, qui passe à côté de la garçonnière de Patrick Salamé. En vain. Vu le nombre de corps susceptibles d'avoir été dissimulés, ça paraît assez incroyable qu'on ne puisse pas retrouver au moins un des corps. Persuadés que les trois femmes ont été assassinées, les enquêteurs vont donc remuer ciel et terre pour retrouver leurs cadavres. La justice ne peut pas poursuivre Patrick Salamé pour meurtre. On a la démonstration d'aucun élément matériel qui permet de dire non seulement les a-t-il vus ou pas en dernier, mais en plus est-il à l'origine de cette disparition, et c'est pas démontré. On en est encore à ce que la maison d'habitation et le terrain soient survolés pendant presque 3 heures par un hélicoptère et des caméras infrarouges. Je veux dire, deux ans plus tard, on en est au même point qu'au début. Lors de ses rendez-vous avec le juge, Patrick Salamé nie farouchement les meurtres des prostituées. Il y a une sorte de certitude dans son enfermement, dans son mutisme, qui logiquement conduit à se demander s'il n'est pas certain de la perfection de son système. Voilà un garçon qui se comporte comme un criminel parfait. Et on en arrive à son profil psychologique. En prison, pendant 16 ans, il a rédigé des manuscrits à sa façon. L'un de ces manuscrits porte sur les serial killers, sur les tueurs en série. Et on a l'impression que ce garçon est habité par une sorte d'esthétique du crime. Les enquêteurs vont également retrouver sur lui ce fameux manuscrit qui fait un peu l'apologie, en tout cas qui s'inspire de la vie d'Alfredo Stranieri, cet homme qui est accusé d'être un tueur en série. C'est en prison où il a passé 16 ans que Patrick Salamé rencontre Stranieri et rédige ses feuillets. Dans les années 90, Alfredo Stranieri recrutait ses victimes via les petites annonces. En 2003, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 meurtres. Le manuscrit présentait Stranieri un peu comme son modèle. On sentait qu'il y avait une espèce de phénomène d'identification, à tout le moins de regard un peu complice et quelque part admirateur sur le personnage. Donc ça peut permettre aussi de comprendre certaines choses. Est-ce qu'il s'est rêvé, est-ce qu'il s'est identifié à Stranieri et qu'il a voulu reproduire le même modèle? Mais devant une cour d'assises, les romans d'un accusé ne constituent pas une preuve. Effectivement, ça peut permettre de colorer le personnage, même si c'est pas parce qu'on lit des bouquins sur les grands évadés ou les grands criminels du siècle qu'on est grand criminel soi-même. Ni ce manuscrit, ni même les ADN retrouvés dans la garçonnière ne constituent les preuves irréfutables qui démontreraient que Patrick Salamé ait fait disparaître Zineb, Irina et Christina. Patrick Salamé réfute tout en bloc. Il dit « C'est pas moi, madame le juge, ce n'est pas moi. Pourquoi ?» Je vous assure, c'est vrai, j'ai reçu ces prostituées dans ma garçonnière, je les ai payées, elles sont parties. Je n'en ai plus jamais entendu parler. C'est quand même vraisemblable, dans la mesure où on ne trouve pas de traces formelles, non pas du passage, mais du meurtre de ces personnes. Christina, Irina et Zineb sont-elles les seules victimes du tueur en série de Marseille ?
Cette même année 2008, quelques mois auparavant, en mai, la disparition de Fatima, une étudiante étrangère, avait ému le tout Marseille. À l'époque, les policiers n'étaient pas encore sur les traces de Patrick Salamé. Mais après son arrestation en novembre, ils étudient l'hypothèse d'un rapprochement avec la disparition de Fatima. Elle habitait à quelques centaines de mètres du domicile de Salamé. Elle a disparu aussi sans laisser de traces en quelques heures. Donc il y a des similitudes qui sont assez claires. Après, est-ce que c'est Salamé qui a tué et fait disparaître Fatima? Beaucoup d'enquêteurs qui suivent le dossier, ils sont à peu près sûrs que Salamé est derrière cette disparition-là également. Cependant, Fatima n'a pas du tout le même profil que les autres disparus, toutes des prostituées étrangères. Fatima était une étudiante rangée jusqu'à ce guet-apens machiavélique. Mehdi, son petit ami depuis 3 ans, a pu donner des informations majeures aux enquêteurs. Il y avait les grandes vacances, les vacances scolaires qui approchaient. Ses amis avaient déjà trouvé du travail pour les vacances, moi c'était pareil. Donc elle s'est dit, pour pas m'ennuyer pendant les vacances, je vais aussi chercher du boulot. Elle a proposé ses services pour garder les enfants. On a déposé ensemble l'annonce sur Internet. Et puis le 7 mai, elle a reçu l'appel d'un homme qui était intéressé par ses services pour garder des enfants l'après-midi même. L'homme lui donne rendez-vous à 15h, au métro Malpassé dans le 13e arrondissement de Marseille. Une station qui se trouve à 30 mètres d'une école primaire. Moi, j'étais super content quand je la voyais heureuse. Elle était contente parce qu'elle s'est dit, je vais commencer à trouver un travail, tout simplement. Elle avait peur de l'échec, que ce soit pour ses examens. Donc à chaque fois qu'elle réussit quelque chose, elle est super contente. Et pour elle, ça, c'était comme c'est la première fois qu'elle travaillait. Pour elle, c'était une réussite, en fait. Il n'y a pas eu de méfiance. L'homme ne donne pas son nom, mais précise que c'est sa femme qui viendra chercher la babysitter au volant d'une Volkswagen grise. Ce jour-là, Mehdi et Fatima déjeunent ensemble. On a pris le métro ensemble pour aller à la station de métro Malpassé, là où elle avait le rendez-vous. Sur le trajet, pour l'entretien, elle m'a dit qu'elle préférait être seule pour rencontrer la personne qui venait la chercher. Moi, je n'ai pas discuté à aucun moment, on peut imaginer ce qui peut arriver. Elle est sortie de la station de métro toute seule, moi j'ai fait demi-tour. Donc jusque-là, il n'y avait rien eu d'anormal. Le jeune couple a convenu de se rappeler dans l'après-midi. Mais à 17h, soit 2 heures après le rendez-vous, un étrange texto est envoyé depuis le portable de Fatima. Ce SMS sera le dernier. Mehdi l'a conservé dans son portable. Et ce qui m'a surpris avant tout, c'était que j'ai rencontré une ancienne copine et je serai de retour le week-end. C'est impossible. Elle rentre tous les soirs à 20h, c'est moi qui devais aller la chercher, la ramener à la maison. C'est impossible. En 3 ans, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Donc c'est pour ça que tout de suite je me suis inquiété, tout de suite j'ai essayé d'aller l'appeler, parce que c'était pas normal. Mais le téléphone de Fatima est éteint, et il va le rester. Je m'inquiétais sans imaginer le pire. Donc j'étais persuadé que le soir c'est bon, mon téléphone allait ressonner, quoi. Donc les heures sont passées, la nuit passe. Moi de mon côté je continue à m'inquiéter, mais je me disais que peut-être elle est rentrée à la maison, qu'elle s'est endormie. Le lendemain matin, à la première heure, donc il y a mon téléphone qui sonne, je pensais que c'était elle. Et puis là, c'est la mère de Fatima qui me dit qu'elle n'est pas rentrée de la nuit. Les premiers résultats de l'enquête déterminent l'endroit où a été passé le coup de fil pour le faux babysitting. C'est de cette cabine téléphonique, à la gare Saint-Charles de Marseille, qu'a été émis l'appel vers le portable de Fatima. Ce sera le seul élément d'enquête déterminant. Alors, quand l'affaire Patrick Salamé éclate 5 mois plus tard, les policiers évoquent cette piste. On a une clocharde qui tous les jours vient près de la gare Saint-Charles à Marseille, qui fait la manche près de cette cabine téléphonique. Donc, les policiers vont interroger cette femme qui, dans un premier temps, va dire qu'elle ne connaît pas Patrick Salamé et ensuite va le reconnaître formellement sur photo. Et elle va raconter qu'il lui a dit « J'espère que tu n'es pas une balance, toi, en guise de menace ». Patrick Salamé lui aurait demandé de se faire passer pour sa femme auprès d'une babysitter. C'est vrai que par rapport à ce témoignage, il y a tout qui nous mène vers lui. Mais je ne me focalise pas que sur lui parce que pendant que lui il est en prison, imaginons que ce ne soit pas lui, la vraie personne, elle est encore dans la nature. Donc à ce jour, je me dis, je ne suis pas convaincu que ce soit lui. Car en effet, comment expliquer une telle différence dans le mode opératoire?
Fatima n'a pas du tout le même profil que les trois prostituées étrangères. Il y a une hypothèse qui existe aujourd'hui. Patrick Salamé aurait pu éventuellement s'en prendre initialement à la babysitter candidate, entre guillemets, qui était Fatima. Et vu le déchaînement médiatique qui a suivi, avec les affiches qui ont été faites par son compagnon, etc., il aurait pu se retrancher vers des enlèvements ou des séquestrations et des viols et des disparitions de ces prostituées, parce que c'était peut-être plus facile. Il ne se passe pas un jour où Mehdi ne tente de retrouver Fatima. La police, quant à elle, invite toute personne ayant des informations à les contacter au 0805 01 07 07. Je suis persuadé qu'on l'a retrouvée. Quand, comment, je sais pas, je m'en fous. Moi, j'imagine toujours que ça sera demain. J'imagine toujours. Pour moi, il n'y a pas de... Je veux dire, ça fait des années, pour moi, c'est comme si c'était tout à l'heure. J'ai toujours la scène dans la tête du métro, du texto, j'ai toujours ça dans la tête. Patrick Salamé a finalement été mis en examen en mai 2011 pour la disparition de Fatima. En garde à vue, il a encore une fois fait valoir son droit au silence. Fatima, comme les trois autres femmes, se sont volatilisées. Et comme aucun corps n'a été retrouvé, Patrick Salamé n'est donc pas poursuivi pour homicide, mais seulement pour enlèvement et séquestration. Une subtilité juridique dont la défense va tirer profit. Car c'est bien l'acquittement que la défense compte plaider. Le suspect bénéficie aussi du soutien de toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses 8 frères et sœurs. L'une d'elles a accepté de témoigner tout en préservant son anonymat. Mon frère, je sais que c'est un braqueur, mais ce n'est pas un violeur. Je le connais parfaitement. C'est mon frère de sang. Si je suis ici, c'est pour justement... C'est que j'ai la conviction qu'il est innocent. J'ai la conviction que cette personne, Soumia, a menti. La base de l'accusation, la déposition de Soumia, celle qui vient dénoncer Patrick Salamé aux policiers après la disparition de la troisième prostituée à Marseille en l'espace d'un mois. En fait, ils fondent surtout leurs hypothèses sur le témoignage de Soumia. C'est la prostituée qui a témoigné, qui a livré un témoignage édifiant en disant qu'elle avait été torturée pendant plusieurs heures au domicile de Salamé. Et il lui avait expliqué qu'il avait tué plusieurs autres filles avant elle. Et ce jour-là, Soumia confie d'ailleurs qu'elle aurait aperçu le cadavre d'une de ses victimes dans la salle de bain de son tortionnaire. Lorsqu'elle dépose plainte, nous sommes le 11 novembre 2008, soit un mois et demi après les faits qu'elle rapporte. Lorsque vous êtes violée, vous êtes traumatisée. Vous allez porter plainte. Vous allez voir le médecin. Et comment se fait-il qu'elle a porté plainte un mois après ? Elle nous répond que c'est parce qu'elle était traumatisée et sans doute parce qu'elle avait peur de celui-ci. Mais c'est vrai qu'on est tout de suite interpellé par cette absence de réaction et cette absence de plainte. Par la suite, Soumia va revenir plusieurs fois sur ses propos. Et l'objet de ses hésitations est loin d'être un détail. Elle nous dit à un moment donné qu'elle a vu, elle aurait vu une des victimes, mais qu'elle ne sait pas si c'était bien une personne vivante ou éventuellement autre chose, comme une poupée par exemple, qui était dans la salle de bain. Elle a fait 74 procès-verbaux, et il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de mensonges. La défense de Patrick Salamé souhaite donc que les enquêteurs se penchent davantage sur la personnalité de Soumia. Elle a eu un parcours personnel particulier, entre maisons spécialisées pour des personnes plus que fragiles. Même son entourage va indiquer qu'elle est très très peu crédible. Beaucoup d'autres énigmes entourent les déclarations de Soumia. Notamment, pourquoi Patrick Salamé, accusé de faire disparaître les prostituées qu'il fréquente, aurait-il épargné cette dernière ? Lui a toujours dit, mais non seulement je ne l'ai pas violée, mais je ne l'ai pas frappée. Et ensuite, elle n'a pas vu de cadavre chez moi, parce qu'il n'y en avait pas. Et puis, comment voudriez-vous que je puisse, si c'est le cas, laisser vivante, puisque vous me reprochez d'être à la base de la disparition de trois personnes. Pourquoi vais-je laisser vivre quelqu'un qui devient mon accusatrice? Enfin, soyez un peu logique. Le directeur de la police judiciaire nous raconte que c'est parce qu'elle a simulé du plaisir, qu'elle a faim, de rentrer dans le jeu de Patrick Salamé, que celui-ci lui a laissé la vie sauve. Plus intriguant encore,
la victime de Patrick Salamé, Soumia, admet qu'elle a accepté de revoir à plusieurs reprises son tortionnaire. Mon frère, il nie toutes ces accusations. Il dit qu'il a vu, qu'il a eu des rapports avec elle, qu'il a payé, qu'il a ramené, qu'il a vu à plusieurs reprises. Je sais qu'il a revu, mais voilà. Alors il aurait dû la violer pendant toutes les fois qu'il a vu, hein, parce que c'est pas possible. Ça tient pas debout, quoi, tout ça. C'est ça que je veux dire. Soumia et Salamé ont peut-être eu des relations autres que celles qu'elle a racontées, qui sont des relations salaces et détestables. Cet élément nous manque, c'est vrai. Les zones d'ombre autour de l'accusatrice de Patrick Salamé sont très nombreuses. Si l'enquête n'apporte pas de réponse satisfaisante, les dépositions de Soumia pourraient bien plaider en faveur de l'accusé. On a l'ambition de démontrer qu'elle avait intérêt à faire avancer cette thèse selon laquelle Patrick Salamé serait l'auteur des disparitions. Vous en dire plus, c'est délicat pour moi parce qu'à ce moment-là, je rentre et je vous dévoile toute une procédure sur laquelle je n'ai pas le droit, moi, de vous en parler. Mais c'est l'une des thèses que l'on espère développer. Le témoignage de Soumia est donc sérieusement remis en cause. Nous l'avons cherché plusieurs nuits à Marseille sans succès. La marocaine qui avait des problèmes. Ouais. C'est qu'elle qui l'a pas, qu'elle est pas morte, elle l'a pas tuée. Je sais pas s'il travaille encore. Hein. Je sais pas. Aujourd'hui, la jeune marocaine qui a révélé l'affaire est introuvable sur les trottoirs de la cité phocéenne. Pour prouver l'innocence de Patrick Salamé, la défense a donc l'intention de reléguer l'accusatrice au rang des accusés. Et plus encore. Pour contester l'implication du suspect numéro 1 dans la disparition de trois femmes, la défense cherche à démontrer que les victimes sont en réalité toujours vivantes. Ont-elles disparu ou pas ? Aujourd'hui, le dossier pourra peut-être révéler qu'elles sont peut-être vivantes. D'accord ? Moi, je ne prends pas pour acquis le fait qu'elles aient disparu. Je ne prends pas pour acquis le fait qu'elles ne soient plus vivantes. Je dis aujourd'hui, vous n'avez pas exploré toutes les pistes pour savoir si elles sont toujours vivantes. Sans cadavre, rien n'est exclu. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et se penchent notamment sur l'existence de complices. Vu l'ampleur du nombre de disparus, vu le trouble exceptionnel à l'ordre public, on se dit, pour qu'on ne les ait pas retrouvés, pour que ce monsieur Salamé reste totalement mutique, on se dit, peut-être n'était-il pas seul. L'absence de cadavre, l'avocat de Patrick Salamé, lui, en tire d'autres conclusions. Son client est innocent. Aujourd'hui, on en est toujours à se poser les mêmes questions, la même question. Est-ce qu'il est la dernière personne à les avoir vues vivantes ? Lui dit que non, et le contraire n'est pas rapporté. Le dossier, j'espère, arrivera à démontrer qu'il y a d'autres personnes qui ont vu ces trois malheureuses après que Patrick Salamé les ait rencontrées. C'est une cour d'assises qui devra déterminer la culpabilité ou non du seul et unique inculpé dans cette affaire. Si l'enquête n'apporte pas de nouvelles révélations, l'issue de ce procès sera totalement imprévisible. Je crois que le magistrat instructeur et les policiers sont convaincus de la culpabilité de Salamé. Je crois aussi que la justice est convaincue de l'éventuelle culpabilité de Patrick Salamé dans la disparition de Fatima. Le problème, c'est la preuve. En matière de justice, il faut faire la preuve. Là, la preuve n'existe pas. La certitude qu'auront les jurés, c'est que les trois femmes disparues en un mois à Marseille sont toutes passées par la garçonnière de Patrick Salamé. Comme le veut la loi, ils devront se forger une intime conviction. Vous me demandez si je souhaiterais être un juré ? Non. Parce que je serais obligé, par ma conscience, d'acquitter cet homme. Alors que je sais pertinemment qu'il a tué au moins trois fois. Sans jouer les cassandres judiciaires, je dirais que le dossier tel qu'il existe, et au vu de la connaissance que j'en ai, peut parfaitement permettre de condamner Patrick Salamé aux assises sur la base d'une séquestration ou d'un enlèvement. C'est aussi un beau dossier, un beau challenge pour la défense que de démontrer que, puisqu'il n'y a pas de corps, donc pas de cadavre, donc pas de culpabilité, pas de preuves vraiment tangibles. Le dossier sur la disparition des quatre femmes à Marseille est toujours en instruction. On ne connaît pas la date du procès, mais les familles espèrent que ce sera enfin l'occasion pour Patrick Salamé de parler.